La pourvoirie, ça a commencé en 2019. Mon garçon est venu me voir, je demeurais au Mont-Saint-Hilaire. Il m'a demandé si je voulais venir avec lui pour décoller une pourvoirie. On est venu visiter ça durant l'hiver 2019-2020. C'était pas beau. Il neigeait. On est arrivé en bas, il bouillait. C'était toute qu'une aventure. Quand on est arrivé, on était éblouis parce que. On n'avait jamais vu ça de près, tant que ça, une pourvoirie. On a adoré. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais on s'est lancé dans le défi qu'il y avait à faire. Là, on est à la pourvoirie du Lac-Diane. Venez, on va vous montrer ça. On va vous montrer notre accueil. Ça, c'est notre accueil qu'on reçoit les clients. C'est une vieille accueil qu'on est en train de retaper dans le fond parce qu'elle était comme laissée à l'abandon dans les 10 dernières années avant que j'achète. Moi, c'est ma 5e année que j'ai acheté ça. Là, en dedans, je vais aller vous montrer où est-ce qu'on accueille les clients puis qu'est-ce qu'on a fait un peu de rénovation. Entrez. Ça, c'est mon cousin Dave, le guide de pêche. Ici, tout le plancher, comme vous voyez là-bas, là, avant, là, c'était comme ça. C'était tout en pralor, mais il était tout écrasé. Il n'y avait plus de support en dessous. On a commencé à refaire les sections de plancher. Ici, là, c'est notre comptoir d'accueil qu'on accueille nos clients avec qu'on prend le permis, le possession de poissons, là, tout ce qu'ils ont pris. C'est Lina, ma gentille dame, qui nous fait ça. Le poisson est là, si on l'a voué. Elle est occupée. Là, pour la première année, cette année, on va ouvrir l'hiver. Donc, je vais tout changer mes fenêtres. On refait les murs extérieurs. Toutes les fenêtres là aussi vont toutes être changées pour avoir des fenêtres isolées. On va changer notre poêle à bois. On va mettre une fournaise au bois avec des docks de ventilation pour être capable de chauffer l'accueil pour que les clients en motoneige puissent faire se réchauffer puis sécher le linge. Il va y avoir aussi dans le coin-là des armoires avec des crochets, des tablettes pour serrer le casque, le mitaine, le manteau de skidoo. Puis pour cette année, ça va être la nouveauté. Là, le permis d'alcool, l'ouverture l'hiver. On continue de rénover le plancher aussi, à refaire les murs intérieurs, toute la peinture. On va tout continuer à faire ça au fil des années. C'est un travail de longue haleine. On en a pour plusieurs années à faire ça. La pourvoirie avait beaucoup de choses à faire dessus. C'est une pourvoirie qui existe depuis au moins 50 ans. Il y a eu d'autres propriétaires. Le dernier à de qui qu'on a acheté, ça faisait 11 ans qu'il l'avait. Mettons que les 4-5 dernières années, il a oublié que c'était une pourvoirie. C'était vraiment, vraiment décevant de voir ça, mais le défi était là, puis on voulait le relever. Le chemin d'accès venir ici, c'était pas le même du tout. Là. Les branches frottaient après les autos, là. Les roches, ça sortait. On s'est acheté de l'équipement, puis on a commencé à rénover les chemins. On est une des pourvoiries qui est très près de Gomeau. C'est de 44 km, ça se fait. 8 km de gravier, ça prend environ, là, tu vas lentement, tu connais pas le chemin, 45 minutes. 45 minutes, tu es rendu à pourvoirie, tu es prêt à t'asseoir dans le chaloupe, tu es prêt à aller pêcher. C'est un gros avantage qu'on a. On a beaucoup de clients qui viennent pour ça parce qu'ils disent que c'est accessible, terriblement accessible. On n'a aucun lac dans ce mancé. On a 37 lacs sur le territoire. Du poisson, il y en a en abondance. Le lac du Yonne, il y a 7,8 km de long. On peut pêcher jusqu'à 17 000 truites par année. C'est complètement... On ne sera jamais capable de pêcher 17 000 truites par année. Quand on en a sorti 7-9 000, on a eu une belle année. Mais on a encore 36 autres lacs de même.
y a un peu de portage qu'on appelle à faire, mais le monde aime ça, puis on essaie de nettoyer les chemins pour que le monde soit capable de se rendre à pied là, puis avec des petits moteurs sur le dos, puis ça pêche. Grosse, par exemple. Ouais, on a du poisson. C'est petit, petit. Elle est bien pognée en plus. Elle est attachée. Voilà. Elle est partie. On chasse le gros gibier, le petit gibier, l'orignal et la perdrix et le lièvre. Mais ici, le coin ici à Pourvoirie, ils appellent ça la pouponnière à orignal. Ici, mes femelles à Orignal, ils ont tout le temps 2 à 3 veaux. Ça fait qu'on a une bonne renouvellement de nos bêtes. Je vous dirais que la chasse, sur 9 groupes, là, ils vont en sortir 7, certains sûrs. C'est très, très rare. C'est un 80% de réussite. Là. Mais écoutez, chaque chasseur a sa manière de chasser. Là. Mais en moyenne, là, c'est 80% de réussite. Ça, c'est mon pavillon, dans le fond. J'accueille beaucoup de familles dans ce pavillon-là. C'est séparé en 4 unités. Il y a 4 lits par chalet, avec 2 chambres séparées dans les extrémités. Dans le milieu, c'est les 2 portes-là, c'est comme des dortoirs avec juste 4 chambres. Et je vais vous les montrer, vous allez voir c'est quoi. Vous pouvez rentrer. Bienvenue. Ça, c'est nos petits chalets pour accueillir les familles. J'en ai 4 comme ça. L'eau est potable aussi dans le pavillon ici, contrairement autour du lac, c'est pas encore fait, mais ça va se faire avec le temps. On a tout acheté des poêles neufs, des friches d'air neuf. On a charré les divans, parce que c'était des divans en tissu des années 70, jaune et orange. On a changé les matelas aussi. On met beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Ici, c'est comme juste des lits et une chambre de bain. Fait que les mondes, quand ils sont plus que 4, ben, ils peuvent venir ils peuvent venir dormir ici. Ils ont leur salle de bain, eux autres, ils ont 4 lits. Ensuite, ils peuvent aller rejoindre la gang l'autre bord. C'est vraiment juste pour dormir ici, puis se laver. Ensuite, j'ai mes petits chalets que vous voyez sur le lac. J'en ai 5 comme ça. C'est pour des petits groupes, ça. C'est pas pour des gros groupes. C'est ici où j'ai un autre gros chalet aussi. C'est 11 places avec 3 chambres, une mezzanine puis des lits. Il peut accueillir 11 personnes. On l'a rénové l'année passée. Lui, on a investi beaucoup d'argent sur ce chalet-là parce qu'il était désuet. Les arbres étaient tombés dessus. Il a fallu refaire la galerie, la peinture à l'intérieur, la toilette. Toutes les chambres, les bases de lit, les comptoirs, acheter des friches d'air neuf, acheter des chauffe-eau, acheter des fours neufs, poêle à bois, il a tout fallu faire ça pour rénover le chalet. Mes petits chalets aussi, ils étaient pas mal désuets. On a tout refait les toitures, on a changé les divans, on a repeinturé, on les a toutes mis au solaire, les fours, les friches d'air, tout a été changé, tout a été remis en eux. Mais on en fait d'année en année, là, il va nous rester les extérieurs à faire. En 5 ans, on a fait plus que ce qui s'était fait avant. Fait que je suis bien fier de mon équipe. J'ai une méchante bonne équipe. J'espère que ça va continuer comme ça. Les chalets ici, ça a été bâti avec les restants de la compagnie forestière qui était ici. C'est tout par panneau. Ça a été construit. Je lève mon chapeau à ceux qui ont fait ça. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien. Ils ont tout fait ça en chaloupe. C'est tous des panneaux. Il n'y a pas un de la même grandeur, les panneaux. Là, c'est... Je ne sais pas dans ce temps-là quelle sorte de tape à mesurer qu'il y avait, là, mais il n'y a rien de pareil. C'est fait avec des crampes et tout ça. En tout cas, je lève encore mon chapeau à ceux-là qui ont bâti ça parce que c'est un travail immense. Puis, moi, je ne l'aurais pas fait. Ça fait au moins 50 ans que c'est fait, là, 40-50 ans que c'est fait. C'était fait là, puis c'est encore debout. On a assez travaillé après ces chalets-là que c'était terrible. On a installé l'eau. C'était des pompes à l'eau, anciennes pompes à l'eau que tu pompais. Nous, on a mis des pompes à batterie sur le 12 volts. On a mis l'eau chaude. On a tout peinturé ça. Remettre les chalets au niveau. Parce que le blocage qu'il y avait en dessous avait été laissé aller.
Fait qu'on a tout rénové ça, changé, mis des poutres. Faut que tu saves c'est quoi ça te prend. Faut pas que tu manques de vis, faut pas que tu manques de batterie. Parce qu'ici, c'est une génératrice ou solaire. C'est un ou l'autre. On n'a pas d'électricité, mais on est trop loin de Baie-Comeau pour avoir de l'électricité. On n'arrête pas. C'est 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Puis, en plus que cette année, on ouvre tout l'hiver. Les relais de motoneige, ça va être trippant, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'adore ça ici, j'en mange de ça. On a bâti un garage ici, on a bâti 26,50 pour faire l'entretien de mes machines, les moteurs, tout. On a fait une rallonge pour l'entreposer les chaloupes l'hiver pour pas qu'ils aillent aux intempéries dehors. Là, cette année, on isole le garage pour être capable, vu qu'on est ouvert l'hiver, on va isoler le garage pour être capable de travailler dedans l'hiver. J'ai mon gradeur là-bas pour grader le chemin, puis ça, l'hiver, des fois, j'en ai besoin aussi. Des fois, il dépanne pas mal, lui, quand c'est des grosses tempêtes. Sinon, j'ai mon loader, j'ai un gros 45 de charrue que je vais vous montrer après. Sinon, j'ai le pick-up ici. Il a de l'air magané de même, mais il fait la job pour un, pour un truck de cette année-là. J'ai le sableur dessus, j'ai l'aile de côté, j'ai le 45 en avant. Fait qu'avec ça, c'est avec ça qu'on ouvre le chemin l'hiver. Là, j'ai ma surfaceuse pour gratter les sentiers de motoneige l'hiver. Les enfants, ils fendent du bois, mais là, pour moi, ils sont en break parce qu'ils fendaient du bois tantôt avec mes jeunes, mon fils, ma fille. Ils fendent du bois, là, ils les aident, ils adorent ça. Là, depuis que je les ai montré ça, ils ont été élevés ici. Fait que eux autres aussi, du bois, ils en mangent, mes enfants. Il est comme le pire. Viens, venez me voir un peu. Papa, il aurait besoin que vous fendez du bois un petit peu, OK? Tu peux-tu aller me faire ça? Alors, on va aller fendre du bois, mais allez vous décoller à la fendeuse. Tu vas aider ton frère, ma chouette? Hein? OK, j'arrive. Ils ont été élevés ici, là, depuis 2 ans et demi, qu'ils ont un 4 roues dans les mains puis un skidoo à 3 ans. Ils ont commencé avec un petit kitty cat, un petit 4 roues, un petit DS90. Ils ont commencé avec ça, là. Ils ont un peu plus gros, ils ont un peu des plus gros skidoo aussi. Ils trippent, ils passent l'été avec le père ici en plus, puis ils trippent, puis ils sont vaillants, ils aident aussi, ils sont serviables. Très satisfait de mes enfants, très satisfait de la gang que j'ai au complet. C'est un style de vie, faut vraiment que tu aimes la nature. Moi, je reste ici à l'année. Je reste ici à l'année, faut que tu aies une copine qui veut, donc, parce que c'est pas évident. L'hiver, c'est assez dur, puis cette année, on veut ouvrir l'hiver. On veut faire un relais de montagneige. On a dit, tant qu'à être ici, on est aussi bien de mettre l'utile à l'agréable. Un relais de montagneige, c'est un endroit où tu peux avoir du plaisir. Nous, on est allé chercher un permis de boisson pour les personnes qui veulent une bière, un verre de vin. La bouffe, on n'est pas rendu là encore. Parce que c'est un gros mandat, faire de la bouffe en forêt de même. On va vendre des sous-marins, des choses de même pour dépanner les gens. Là. C'est un endroit où, pour avoir du plaisir, venir relaxer puis s'amuser. Ils vont avoir un beau gros poêle à bois, puis ils vont chauffer les pieds sur le poêle à bois. Ils vont avoir accès à nos chalets. C'est sûr qu'il va y avoir des restrictions, il n'y aura pas d'eau courante, mais on va fournir l'eau pour que le monde soit capable de manger, mais les chalets vont être ouverts, parce qu'on veut faire de la pêche blanche l'hiver. On a fait un peu l'année passée, puis on a adoré, c'est super. Puis il y a du poisson, c'est le principal, c'est qu'il y ait du poisson. L'année passée, ils sont venus évaluer nos chalets. On était 1 étoile quand on a acheté. Là, on est rendu 3 étoiles dans nos chalets. Ça fait que, je trouve que ça avance. Puis moi, j'ai sorti une devise. Si tu veux du défi, achète-toi une pourvoirie.